Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo motivation ménage de toute la maison. Donc aujourd'hui, je commence par l'étage supérieur, je vais faire la petite tournée. Je commence par ma chambre, je vais changer les draps de mon lit, donc là je mets des draps propres. J'ai fait mon lit tranquillement, ensuite je vais passer au niveau de la chambre de ma fille. Elle a déjà fait son lit ce matin avant d'aller à l'école. Donc moi j'aurai juste à faire vite fait les poussières et faire le sol. Au niveau de la chambre des deux petits, pareil, je vais faire les lits. Ramasser tout ce qui traîne, mettre chaque chose à sa place comme d'habitude et nettoyer le sol, la salle de bain. Donc voilà, pour ma chambre, il n'y avait pas grand chose à faire à part faire le lit. Et voilà, au niveau des poussières, c'était correct. Mes tables de chevet étaient propres, mon bureau également. Comme vous pouvez voir, tout était nickel à ce niveau-là. Donc je vais passer au niveau de la chambre à ma fille. Je vais ramasser les petites choses qui traînent. Je vais passer vite fait le plumeau. Là, le lit est déjà fait, donc je n'ai pas le choix de passer mon plumeau. Malgré que le lit est fait, c'est toujours mieux de faire les poussières avant de faire le lit, mais dans ce cas-là, c'est déjà fait. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de poussière sur le bureau. C'est juste que la veille, ma fille avait des amis à la maison, alors elles ont mangé des pop-corn dans la chambre, les chips et tout. Donc, il y a quelques miettes sur le bureau. Là, je vais juste nettoyer vite fait. Ensuite, on va passer à la chambre des deux petits. Voilà, je vais vous laisser avec les images. Donc voilà, on se retrouve dans la chambre de deux petits. Là, je suis en train de faire le lit. Ensuite, je vais ramasser les petits jouets qui traînent. Je vais mettre dans le coffre à jouets. Je vais ramasser, il y a des petits papiers qui traînaient un petit peu. Ça, je vais aller les mettre dans la poubelle. Ensuite, voilà, je vais vous montrer le meuble. Franchement, ma fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pris des petits collants et l'a mis sur les portes. Pour l'instant, je vais laisser les collants comme ça. Je vais m'en occuper un peu plus tard. Là, je vais ramasser les débarbouillettes qu'on a utilisées ce matin. Les flacons à dentifrice, je vais nettoyer parce que ça déborde de partout. Franchement, ça, je comprends jamais. Je vais nettoyer ça et je vais remettre ça à la place. Ensuite, je vais passer au niveau du miroir. Je vais nettoyer le miroir. Je vais nettoyer le lavabo puis toutes les surfaces. Voilà, je vais vous laisser avec la suite. Ensuite, on va faire les sanitaires. Ça, quand j'ai 2 minutes dans la journée, je le fais quotidiennement. Donc, je nettoie vite fait le miroir, je nettoie le lavabo. Ensuite, on va passer au niveau de la toilette. Je vais nettoyer, désinfecter, voilà.
Je vais vous laisser avec la musique. Du coup, j'ai terminé au niveau de l'étage. Là, j'ai fini complètement. J'ai tout ramassé, j'ai tout rangé. Là, on va passer au niveau du sol. Je vais vous présenter le nouvel aspirateur que j'ai reçu de la part de la compagnie Tineco. Donc, le modèle, c'est le Pure One S12. C'est un aspirateur intelligent sans fil. Il est excellent pour un nettoyage multisurface. Il est fourni avec plusieurs accessoires polyvalents qui va vous permettre de nettoyer les coins, les recoins de votre maison. L'aspirateur est fourni avec un manuel d'instruction. Vous pouvez le transformer en aspirateur en main. Pour ça, vous avez un tube plat pour les coins. Vous avez une mini brosse turbo. Vous avez un rouleau brosse et également une autre brosse à main pour la poussière. Là, vous avez une grande brosse multi-tâche avec projecteur LED. Vous avez également la station d'accueil. Vous pouvez le fixer au mur et accrocher tous vos accessoires. Vous avez également le tube et le câble d'alimentation. L'aspirateur dispose d'une technologie iLoop. C'est une technologie qui vous permet de détecter la saleté et les débris cachés. Et c'est très facile d'assemblage. Là, on va assembler les trois parties de l'aspirateur. Donc, vous avez le grand rouleau, le tube et l'aspirateur. Et vous avez la batterie qui est amovible. Donc, on peut l'enlever comme ceci et le charger dès qu'il a besoin d'être chargé. L'aspirateur possède un écran de contrôle digital qui vous montre par exemple le niveau de batterie. Vous avez également une station qui est fournie où vous pouvez ranger et charger l'aspirateur et tous les accessoires comme ceci. Donc voilà pour la petite présentation. On va continuer le ménage. On se retrouve dans la chambre de deux petits. Donc je vais passer l'aspirateur. Comme je vous disais, c'est un aspirateur intelligent sans fil. Il est vraiment pratique, très léger. Il peut ajuster automatiquement la puissance d'aspiration dépendamment si vous aspirez le sol dur ou le tapis. Là, je suis en train d'aspirer le tapis, ça nettoie super bien et vraiment, vous pouvez entendre même comment la vitesse change. Et voilà, je vais nettoyer la chambre comme il faut. Je nettoie en dessous du lit. Franchement, c'est super top cet aspirateur-là. En plus, vous avez la petite lumière. Là, vous pouvez voir tous les débris, les petites saletés. Moi, j'ai deux chats, donc avec la lumière, je peux voir vraiment les poils de chat. Alors, c'est vraiment trop bien. Grâce à l'application Tineco, vous pouvez connaître le niveau de la batterie en temps réel. Vous pouvez connaître le rapport du nettoyage. Vous pouvez aussi régler la puissance d'aspiration à partir de votre téléphone. Et aussi, vous pouvez obtenir un rappel pour changer le filtre. Et ça, c'est vraiment top. J'ai terminé avec cette chambre, tout est beau. Là, je vais aller ouvrir les rideaux, je vais ouvrir la fenêtre pour une deuxième fois. Ce matin, j'avais déjà aéré la pièce. Là, j'avais dû refermer les rideaux parce que quand je filme et tout, ça dépend de la lumière du jour. Des fois, c'est très sombre, donc je suis obligée de fermer la fenêtre, fermer les rideaux. Là, je vais réouvrir le tout. J'ai terminé avec cette pièce-là. Je vais passer au niveau de la chambre à ma fille. Je vais faire pareil, je vais passer l'aspirateur. Du coup, j'ai terminé avec cette pièce-là. Je vais passer au niveau du couloir. Je vais nettoyer le petit meuble à rangement qui se trouve là. Je vais utiliser
mon produit Miss Meyers et j'ai pris un essuie-tout, donc je nettoie ça vite fait. Ensuite, il y a mon chat qui me suit partout, alors elle voulait une petite caresse et après elle m'a laissé tranquille. Donc voilà, je nettoie le meuble, je termine ça et ensuite on va passer à l'aspirateur. Présentement sur Amazon.fr, donc Amazon France seulement, l'aspirateur est offert au prix de 459 euros. Vous avez également sur Amazon une remise de 30 euros, ce qui est pas mal. Et moi, j'ai pu vous négocier un code rabais, donc vous pouvez utiliser mon code rabais simple S1240, donc simple S tout en majuscule 1240. Avec mon code, vous avez 40 euros de réduction. Donc, l'aspirateur vous reviendra à 389 euros, ce qui n'est pas du tout mal. Et l'offre est disponible jusqu'au 31 octobre. Donc, profitez-en si vous avez besoin d'un bon aspirateur. Là, j'ai terminé au niveau de l'étage, je vais passer aux escaliers. Je vais commencer par nettoyer cette partie-là avec mon aspirateur balai. Ensuite, je vais transformer mon aspirateur balai à un aspirateur à main. Donc, je vais mettre la petite brosse pour me permettre de bien nettoyer mes escaliers. Alors, c'est parti. Alors voilà, c'est terminé au niveau de l'étage, j'ai fait les escaliers. Là, je passe au niveau du salon, il y a plein de trucs qui traînent un petit peu. Il y a la petite table qui est supposée être en bas au sous-sol, qui est au salon. Comme je vous disais, ma fille avait eu la veille, en fait, elle avait eu de la visite de ses copines. Du coup, il y a encore l'assiette de chips qui traîne. Il y a, voilà. Je vais enlever tout ça, je vais les remettre à la place, je vais jeter les chips là dans la poubelle. Je vais replacer les coussins, le plaid, ramasser voilà la petite Barbie à ma fille qui se trouve par terre. Sur le meuble, il y a des petits trucs qui traînent, je vais ramasser et voilà. Là, je nettoie vite fait mon meuble buffet. Ensuite, on va passer au niveau de la salle d'eau. Je vais commencer par le miroir. Je vais nettoyer. Je nettoie le lavabo, les surfaces. Et ensuite, je vais nettoyer la toilette. Là, il y a mes enfants qui sont revenus de l'école. Alors, mon garçon voulait tester l'aspirateur.
Du coup, on a mis des céréales sur les tapis juste pour vous montrer comment l'aspirateur est puissant. Voilà, ça a tout nettoyé. Il est vraiment content, il a trop bien travaillé, il est super content. Du coup, moi, je vais continuer avec le nettoyage. Je vais prendre l'aspirateur et je vais aspirer le tapis au complet. On va passer au niveau de la salle à manger. Je vais essuyer la table avec un microfibre et mon produit Miss Meyers. Ensuite, je vais nettoyer le sol à ce niveau-là. Keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still, I know what you feel. We keep moving. Alors, je déplace le meuble. Souvent, j'ai la poussière qui s'accumule là sur le coin. Donc, j'aime bien déplacer le meuble pour passer mon aspirateur. Ensuite, je vais passer l'aspirateur au niveau de la salle d'eau, la petite toilette qui se trouve là. Une fois que j'ai terminé au niveau de la toilette, je vais passer à l'entrée, je vais ramasser toutes les chaussures qui se trouvent là. J'ai un meuble à rangement dans la garde-robe là, donc je vais mettre ça là-dedans. Et ensuite, je vais nettoyer le grand miroir, je vais nettoyer également la commode à chaussures. Donc ça, c'est une commode que j'oublie souvent de nettoyer, du coup, il y a plein de poussière dessus. Donc je vais nettoyer ça et ensuite, on va passer à l'aspirateur. Every little string on me, the way you.
Au niveau des escaliers, je vais faire pareil. Je mets ma petite manche, mon petit balai à main et je vais aspirer les escaliers. Donc, pour ce ménage ici, j'ai pas passé de serpillière parce que le sol n'était pas sale. J'avais fait le sol en fait 2 jours auparavant. Donc, le sol est propre. Il manquait juste à passer l'aspirateur pour la poussière, les miettes. Comme je vous disais, on était nombreux dans la maison ce week-end-là. Du coup, je vais passer au niveau de la cuisine. Je vais commencer à ramasser tout ce qui traîne. Je vais remettre chaque chose à sa place. Ensuite, je vais faire la petite vaisselle qui se trouvait là. Moi, mon lave-vaisselle était déjà vidé le matin. Du coup, j'ai juste à remplir le lave-vaisselle. Je vais essuyer le plan de travail et on continue. Après avoir nettoyé la vaisselle, j'aime bien nettoyer mon évier de cuisine en profondeur. Là, je vais utiliser un liquide vaisselle en mousse. Donc, je vais prendre ma brosse, je vais venir frotter comme il faut. Je frotte bien les coins. Ça, franchement, je le fais à chaque jour. J'aime que mon évier de cuisine soit nickel. La
Là, j'avais quelques tâches sur le plan de travail. J'ai utilisé les tampons en acier de la marque SOS et puis j'ai aussi utilisé l'éponge Messieurs-Nets. Donc, ça a quand même enlevé la tâche. Il reste une petite tâche de rien du tout, mais je pense que si je frotte une deuxième fois, ça ira. Donc, ça, c'est une tâche qui vient d'un sac de pain. Donc, on dépose un sac de pain là, puis ça me fait une petite trace sur le comptoir. C'est ça, la joie d'avoir un comptoir tout blanc. Ensuite, je vais passer au niveau des électroménagers. Alors, je vais nettoyer le frigo, le micro, non, le frigo, le lave-vaisselle, et ensuite, je vais nettoyer la cuisinière. Terminé au niveau des électroménagers. Là, il y a ma fille qui voulait passer l'aspirateur comme son frère. Elle était un petit peu jalouse. Alors voilà, elle va passer l'aspirateur au niveau de la cuisine. On a dû mettre un petit peu de riz à terre. Alors voilà, elle va passer aussi l'aspirateur juste pour la faire plaisir. Elle était super contente. Du coup, voilà, moi, il va me rester à faire le sol au niveau de la cuisine. Donc, je vais passer l'aspirateur vite fait et ensuite, on va se retrouver au sous-sol. Je vais nettoyer le sofa du sous-sol et aussi le tapis. J'ai sorti ma shampouineuse qui me fait du 2 en 1. Je peux nettoyer le canapé ou le tapis. Donc, je vais commencer à asperger mon produit Folex. Ça, c'est un produit super efficace. Ça marche très bien. Ça donne une bonne odeur aussi après. Et c'est un nettoyant instantané. Donc, quand vous mettez, vous pouvez voir vraiment la tache disparaître à vue d'œil avant même que vous frottez. Donc, je vais prendre ma petite brosse à main, je vais commencer à nettoyer le sofa, alors je vais vous laisser avec la suite. Beyond all.
Juste une petite précision, cette partie de la vidéo a été tournée la veille, donc c'était pas la même journée, mais je me suis dit pourquoi pas vous l'inclure dans cette vidéo, ça pourrait toujours vous motiver. Alors voilà, donc j'ai terminé avec le canapé, là je passe la shampooineuse au niveau du tapis, voilà, donc c'est à peu près tout pour le ménage d'aujourd'hui. Du coup, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner de la motivation. Alors, je vous retrouve en commentaire, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.